Alors, donc la boîte à musique, mains séparées, mains ensemble. Donc en fait, enfin avec l'accompagnement et la mélodie. Donc en fait, vous aurez normalement travaillé la mélodie à deux mains. Donc je vais pas redire les notes en fait. Sauf qu'on va faire comme ça. Donc on va placer ici le pouce sur le si et le cinquième sur le sol, comme ça. Hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ok? Et on joue tout avec ce doigté-là. On peut faire ce doigté là, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2. Ok? On peut aussi faire comme ça. Et là, du coup, on joue les deux dernières notes importantes ici. C'est plus commode. Voilà. Ou sinon, donc en mettant ce doigté là. De toute façon, après, quand on fait la deuxième partie, on doit mettre ses doigtés. Il faut tirer ici, hein. Youp là, on tire jusqu'au là. Voilà, maintenant pour la main gauche. Alors, pour la main gauche, on va placer le cinquième, le rikiki, sur le sol ici. Ah, j'ai de la chance parce qu'il tient dans l'écran, hein. Donc, on va partir du do du milieu ici avec le pouce. Et on va descendre jusqu'à ce que on soit sur le do en dessous, avec le pouce, ici. Et cette fois-ci, on met le deuxième dessus. Un doigt du tout, une touche. Et du coup, on va avoir le cinquième sur le sol. Alors, maintenant, voilà l'accompagnement. Alors, vous essayez de vous débrouiller parce que je ne peux pas du tout rentrer dans les détails, ça va être trop chargé. On regarde et on répète. Donc, voilà la position. Et après, on passe par-dessus le deuxième pour aller ici. Et après, on rejoue ici cette note-là avec le pouce et on revient ici. C'est deux fois à chaque fois. Ensuite, on va bouger ça. On va mettre le doigt ici. Et on va plus loin, jusqu'ici, ici. Pareil, on rejoue cette note-là et on revient. Ensuite, troisième groupe. Donc là, on va plus passer le pouce. On va faire cette manipulation-là. Le fa dièse et aller chercher le do. Moi, j'ai mis à côté, désolé. Et à la fin, on revient sur la première position. Et on s'arrête ici. Donc ça nous fait deux fois ça. Ensuite deux fois ça. Pardon, j'ai écouté. Ensuite deux fois ça. Cette fois-ci on passe pas le pouce. Et on revient à la position initiale. Et donc tout à la fois. D'écart, voilà, donc il faut vraiment automatiser bien la main gauche d'abord toute seule et la main droite toute seule, mais bon, on connaît bien les notes de la main droite, d'accord? Ok? Voilà, ben, je pense que j'ai tout dit. Bon courage et à bientôt. Amusez-vous bien, au revoir.